Je vous remercie. Merci beaucoup, Mireille Clapeau, également membre de l'APF. Merci Madame la Présidente. Madame la Secrétaire Générale, vous avez mentionné l'accent que vous souhaitez mettre sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça s'inscrit dans la continuité de l'adoption en octobre 2018 à Erevan de la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Donc j'y suis particulièrement attentive parce que j'ai produit un rapport sur la diplomatie féministe dans le cadre de notre commission en avril 2018 et je dois dire que vous incarnez particulièrement bien un beau parcours de femme. Alors je souhaiterais croiser cette approche de genre avec la priorité mise sur la culture et plus largement sur la création artistique, culturelle et numérique. Les femmes créatrices, autrices, actrices, réalisatrices, musiciennes sont peu visibles. Alors qu'elles ont un potentiel et qu'elles créent autant que les hommes. Il existe un moyen de les rendre plus visibles, c'est de pratiquer l'égaconditionnalité, c'est-à-dire attribuer des subventions et des prix aux structures qui garantissent une égale présence des femmes dans les programmations, un égal accès aux moyens de production, aux réseaux, aux espaces de visibilité et de la consécration artistique. Madame la Secrétaire Générale, seriez-vous d'accord pour donner une impulsion en ce sens ? Ce sera un geste fort. Merci beaucoup Valérie.